Dans cette forêt de Brocéliande, il y a des siècles de cela, vivaient deux dragons, un blanc et un rouge. Et le blanc tua le rouge. Un corps carbonisé, a priori pendant plusieurs heures. On a trouvé un enfant dans la forêt, il a découvert un cadavre. Depuis, il est complètement terrorisé, il parle pas, il veut pas dire son nom. Et j'ai besoin de toi, là. Ouais, j'arrive. Je suis pédopsychiatre. Je suis le frère de Marie Delorme. C'est bien de se voir autrement qu'à Noël et aux anniversaires. Je suis là pour le boulot. Bonne nuit. T'as vu ce qui s'est passé dans la forêt? Je me souviens de rien à part deux dragons qui se battent. Des vrais dragons. Face à une situation trop violente, le cerveau humain est capable de créer des souvenirs écrans. Tôt ou tard, ça réapparaît à la surface, et parfois de façon extrêmement violente, on sait pas quand. Vous ne trouverez rien. Mais attendez, mais moi j'ai tué personne, hein. Mais ce connard de gamin qui se barre avec mon fric dans la forêt, tu voulais que je fasse quoi, moi? Tu croyais quoi? Tu croyais rien, tu savais! Lâche-moi! C'est moi, qu'est-ce que je te rappelle? Mais qu'est-ce qui se passe? Grave, fous-moi la paix! Et franchement, si même bosser avec moi ça devient un souci, on va arrêter. Oh, ça va. Moi, ce que je veux, c'est être heureuse. Quand est-ce que vous comprendrez qu'il faut parler, qu'il faut dire les choses, sinon ça vous pète à la gueule? C'est tellement mieux de t'occuper de ta putain de forêt plutôt que de ta fille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt ?